Agneau de Dieu, c'est le titre que nous voulons examiner aujourd'hui avec Jacques Blandenier. Jacques Blandenier, bonjour. Bonjour. Alors, ce titre, Agneau de Dieu, est l'un des titres que vous examinez dans le cadre de votre livre, Jésus-Christ Dieu avec nous. Ce qui est intéressant à propos de cette manière de parler de Jésus de Nazareth, c'est que finalement, elle a connu une sorte de, 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 de grande prolixité, si on peut risquer le terme, dans le cadre de l'histoire de l'art. C'est vraiment une image que l'on retrouve chez de nombreux peintres. Oui, on peut dire que l'agneau, le thème de l'agneau, n'est pas très exploité par la théologie ou par les écrits. Par contre, dans l'art, que ce soit la musique sacrée, et peut-être encore plus l'art et l'art médiéval, il y a une, une ampleur de la présence de, de l'agneau pour symboliser euh, Jésus-Christ et son œuvre qui est absolument euh, frappante. À quoi est-ce que vous attribuez cela Est-ce c'est l'image simplement, une image un peu, un peu porteuse les, les peintres ont besoin de, de représentations qui puissent évoquer peut-être le centre de la foi chrétienne et l'agneau se prête bien à tel traitement Effectivement, c'est un... C'est un langage tout à fait imagé qui peut-être se prête assez mal à, à l'analyse théorique et à, à la discussion, mais qui, lorsqu'on le voit, lorsqu'on le chante, euh, est très riche d'une grande évocation. Et c'est ainsi que dans l'art médiéval en particulier, on peut relever plusieurs œuvres célèbres. Qui sont fondées justement sur l'image de Jésus-Christ agneau. On pense aux rétable de, de Gand, euh, l'agneau euh, mystique, mystique oui, ou bien au rétable d'Isenheim, qui sont parmi les œuvres d'art les plus célèbres. Et on pourrait penser aussi aux vitraux de nombreuses cathédrales, etc. Alors je vous propose maintenant d'aller directement au texte biblique et de voir le, le passage biblique où il est question de cet agneau de Dieu. Cette formule qui est euh, attribuée à Jésus. Le lendemain, Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui et il dit, Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est à son sujet que moi j'ai dit, Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car avant moi il était. Nous lisons un petit peu plus loin. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Alors, ce, ce passage de l'évangile de Jean, Jacques Blondenier, intervient euh, tout au début. On se trouve au, au chapitre premier. C'est quelque part les premiers pas publics de Jésus. Comment faut-il comprendre dans la bouche d'un Jean-Baptiste ce Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde Certainement que lorsque Jean-Baptiste désigne Jésus comme un agneau, cela pouvait être très évocateur pour ses contemporains juifs, comme ça l'était depuis des millénaires pour tout le peuple d'Israël, parce qu'à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël, on voit l'importance de cet agneau, symbole de quelque chose que Dieu donne, que Dieu fait pour libérer son peuple et pour le... Euh, le purifier en somme de, de, de sa faute. Vous auriez quelques exemples pour nous montrer un peu ce qui pouvait naître à l'esprit d'un juif de, de l'époque lorsqu'il était question d'agneau de Dieu Alors par exemple, chaque année, les juifs euh, célèbrent le repas de la Pâque et dans ce repas de la Pâque, on se met dans la peau en quelque sorte, dans la situation en tout cas, des hébreux esclaves en Égypte qui euh, sont libérés par la puissance de Dieu face au Pharaon. Et euh, avant de pouvoir quitter le pays de l'esclavage, ils ont à prendre un repas euh, au cours duquel ils consomment un agneau et le sang de cet agneau est mis sur le cadre de la porte de, de ces esclaves, de telle sorte qu'ils soient épargnés par le jugement de Dieu qui va s'abattre sur les Égyptiens. Et alors c'est le repas comme un viatique, en somme, pour partir à travers la mer Rouge vers la terre promise. Ça c'est un des aspects, je dirais, de cette présence de l'agneau. Et il ne faut jamais oublier que Jésus a institué la Sainte Cène, précisément lors d'un repas de la, Pâque, de, de la Pâque, où il a euh, montré qu'il était réellement celui qui nous épargnait le jugement divin et nous menait vers la libération. Mais là, concrètement, quand Jean-Baptiste dit euh, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », est-ce qu'il faut comprendre que euh, derrière cet agneau, il y a une sorte de, de signe de protection, de signe peut-être aussi de, de de, de libération à venir Oui, je crois qu'il faut même aller plus loin, en somme que ce que nous évoque l'agneau pascal, en pensant à la présence quasi permanente de l'agneau dans tout le rituel sacrificiel de l'Ancien Testament. On peut lire le Lévitique ou les Nombres pour s'en convaincre. Euh, il est certain que l'agneau est un des animaux principaux offerts en sacrifice par euh, les membres du peuple d'Israël et pour un, un sacrifice spécifique qui est le sacrifice d'expiation qu'on pourrait aussi appeler le sacrifice pour le péché. Euh, C'est une façon de faire comprendre ensemble que qu'y a-t-il de plus vulnérable, de plus innocent pourrait-on dire qu'un qu agneau, euh, d'un agneau sans défaut, sans tâche euh, et voilà, qui meurt pour le péché. Il ne peut pas mourir pour son propre péché, bien sûr. Alors, dans le, la sensibilité de celui qui offre, euh, Dieu veut faire comprendre qu'il lui pardonne, mais que ce pardon ne signifie, ne signifie pas une sorte de euh, banalisation de, de la faute. Euh, L'agneau, manifestement, ne meurt pas pour ses fautes, mais il y a comme un transfère une substitution, Dieu accepte que vive le pécheur, à condition que le pécheur comprenne qu'il y a quelque chose de mortifère dans sa faute, dans son péché, et que... Quelqu'un doit payer à, à sa place, en quelque sorte. Donc on voit bien là, lorsque Jean-Baptiste dit à propos de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il y a toute une série d'images qui viennent à, à l'esprit du, du juif du, du premier siècle, et des images qui sont vraiment au, au cœur de la dynamique de salut qu'apporte le Dieu d'Israël. Tout à fait. Et c'est une prolongation que l'apôtre Pierre, par exemple, donne lorsque... Dans sa première lettre, au premier chapitre, il dit Vous avez été délivrés par le sacrifice précieux de Christ qui a été comme un agneau sans défaut et sans tâche. Il y a là donc une identification entre tout ce rituel sacrificiel de l'Ancien Testament avec le sacrifice d'expiation par un agneau et la personne de Jésus-Christ qui s'offre lui-même et qui souffre et qui meurt sur la croix à cause non pas de sa faute, puisqu'il est le juste, mais à cause de notre péché. Et ça me fait penser à cette parole de Luther que, que j'aime beaucoup, lorsqu'il dit euh, à un homme angoissé par euh, sa culpabilité, il lui dit, mais euh, sois apaisé et prie en disant, euh, Seigneur Jésus, je suis ton péché et tu es ma justice, tu prends ce qui est à moi. Et tu, as, et, et tu me donnes ce qui est à toi, c'est-à-dire euh, ta vie. Il y a, vie, a vraiment une utilise. sorte de, de transfert ou Il y a, qui, y a un qui, transfert qui, qui, qui s'opère, euh, par lequel, en somme, le péché n'est pas banalisé, mais par lequel Dieu affirme qu'il veut la mort du péché, mais pas du pécheur. Sa conversion et sa vie. Alors, ce qui est aussi intéressant de voir dans l'ensemble du Nouveau Testament, c'est que ce, ce thème de l'agneau revient dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, avec une abondance tout à fait surprenante, puisque le mot agneau, on le voit mentionné à près d'une vingtaine de reprises dans ce livre-là. Oui, c'est assez étonnant du reste, mais peut-être pas autant que ça, puisque l'Apocalypse joue constamment sur les images. Et c'est vrai qu'une vingtaine de fois, il est question de l'agneau, et c'est souvent l'agneau immolé. Mais cet agneau immolé est présenté la plupart du temps comme sur le trône, comme celui comme qui, vainqueur, quoi. Comme celui qui un... triomphe. Enfin, il y a là un et paradoxe. C'est de, de subvertissement de l'image. Là, c'est plus ouais. un signe de faiblesse, mais c'est véritablement un signe d'agneau victorieux, puisqu'il y a même un glissement où on dit que cet agneau est un lion. Oui, alors là, c'est très frappant. Au début du cinquième chapitre de l'Apocalypse, on voit que, euh, il est question de, du livre avec les sept sceaux qui sont qui est scellé avec les sept sceaux et on dit seul le lion de Judas » qui a triomphé, est digne d'ouvrir ses seaux. Et quand on continue un peu plus loin et qu'on voit l'ouverture successive de ses seaux, on voit chaque fois qu'il est dit, c'est l'agneau euh, qui, euh, qui, les qui ouvre. ouvre les seaux, qui mmh. brise les seaux, et qui, en somme, dévoile ainsi le déroulement de l'histoire jusqu'à son terme. Et qu'est-ce que ça veut dire Parce que, bon, on le sait bien, le livre de l'Apocalypse est un livre difficile. Comment est-ce qu'il faut interpréter ce, ce jeu entre différentes images, à la fois le lion et l'agneau Alors là, Bien sûr, il y a une sorte d'image, une collision-choc d'image entre le lion et l'agneau qui sont, on pourrait dire, aux antipodes de, de ce que peut évoquer un animal. Et c'est extrêmement fort parce que cela nous montre que la victoire, la véritable puissance qu'évoque le, le lion, est obtenue au travers du chemin. De l'agneau, c'est-à-dire d'un affaiblissement, d'une soumission, d'un don de soi euh, total, comme un, un agneau, il n'a pas ouvert la bouche. Euh, pas Le prophète Ésaïe, euh, déjà, euh, évoque cette substitution avec celui qu'on appelle parfois le serviteur de l'Éternel, mais il le dit aussi, il s'est laissé maltraiter, le serviteur de Dieu, sans protester, sans rien dire, comme un agneau euh, qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis muette. Devant ceux qui le tondent. Donc, on voit là vraiment dans tout le donné biblique, dans toute la Bible, se, se renvoi à toutes sortes d'images qui sont quelque part euh, tout à fait traversantes. On les voit au début de la Bible, on les voit euh, dans, dans, dans ce propos de Jean-Baptiste voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et on le voit encore à la fin de la Bible. Donc, véritablement, euh, cette thématique est très évocatrice pour euh, parler de Jésus. Oui, et alors, elle est paradoxale, en effet, mais euh, je crois que c'est pas un jeu de l'esprit ce genre de paradoxe. C'est vraiment le paradoxe qui nous montre que l'authentique puissance, l'authentique force libératrice, n'est pas celle de, de, de l'écrasement, n'est pas celle du, du déploiement d'un pouvoir comme on le connaît dans ce monde. Parce que si on réfléchit un peu à l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qu'on constate en fait, c'est que ceux qu'on appelle les grands de ce monde, ceux qui ont laissé une trace dans l'histoire, euh, sont des vainqueurs qui n'ont été vainqueurs que parce qu'ils ont écrasé les autres. Que leur puissance se, se nourrit en quelque sorte de l'affaiblissement d'autrui. Euh, ça, c'est le thème de la puissance dans le contexte humain. Ce n'est pas la puissance de Jésus de Nazareth. Précisément, euh, quand Jésus est présenté comme un agneau, c'est pour nous montrer euh, qu'il y a un, un renversement et que l'authentique puissance... Euh, se manifeste au travers de la faiblesse de l'amour. Euh, Jacques Blondy, concrètement, ce, ce thème de Jésus agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en quoi est-ce qu'il vous rejoint à titre personnel De toutes sortes de manières, je dirais. Euh, comme chrétiens, parfois nous, nous avons un sentiment de de faiblesse de d'inutilité, euh, quand on se compare avec les puissances économiques, financières, militaires de ce monde, on a l'impression d'une certaine dérision, on se dit mais, mais, mais qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire Et ça peut nous paralyser dans notre action. Or, de savoir que l'authentique puissance se manifeste et s'est manifestée dans l'histoire au travers de celui qui a été faible, qui s'est donné. L'apôtre Paul dit la, « la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes ». Ça nous fait découvrir que, oui, la, la puissance de Dieu n'est pas de celle qui nous, écrave, qui nous écrase, qui nous annihile, mais au contraire, la puissance de Dieu est ce qui nous rend fort. C'est juste l'inverse, en somme, de ce, la manière dont on fonctionne sur la terre. Comme la justice de Dieu, c'est ce qui nous rend juste et non pas ce qui nous accuse. Comme la sagesse de Dieu, c'est pas ce qui euh, nous montre notre débilité, mais c'est celle qui nous rend sage. Alors la puissance de Dieu est une force, la, parce qu'elle se manifeste au, au travers, travers de la de faiblesse. Notre faiblesse oui. et, et ça, concrètement, dans votre quotidien, c'est quelque chose qui, qui vous porte, qui renouvelle en vous une certaine espérance Certainement. Euh, je dirais que ça nous interdit de... De partir à la bataille comme vaincu d'avance. Nous savons que la victoire est à l'agneau, la victoire est, est, est à celui qui s'est donné sans résister à, à ses bourreaux. Et c'est quand même à ce moment-là qu'a qu été vaincue la puissance mortifère de, de la mort, parce qu'en mourant, il est entré en quelque sorte dans la mort pour la vaincre. Alors, euh, bien sûr, quand on parle aujourd'hui d'un agneau, euh, on se demande ce que ça peut signifier dans, dans la hiérarchie des, des opinions de notre monde, en quoi est-ce que ça parle aux gens aujourd'hui. Et je crois qu'il faut être sensible à une sorte de fossé culturel. Les gens ne comprennent pas forcément ce que cela veut dire. Euh, alors je crois qu'il y a là une explication, mais aussi une illustration au travers de notre personne et au travers de la vie de l'Église de ce que c'est que l'authentique puissance. C'est la puissance qui relève et non pas la puissance qui écrase. Jacques Blondunier, merci beaucoup de nous avoir accompagnés autour de cette méditation sur Jésus, l'agneau de Dieu. Je rappelle que vous avez publié un livre qui s'intitule Jésus-Christ, Dieu avec nous, et que nous allons avoir prochainement l'occasion de poursuivre cette méditation autour des titres de Jésus qui sont examinés dans le cadre de ce livre. Madame, monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.